What's up, Jean l'Intermite, je m'appelle Iconz et on se retrouve aujourd'hui sur OpsiFight, encore les amis. J'ai pas d'amis aujourd'hui, comme d'habitude, vous êtes au courant maintenant. Aujourd'hui, je suis encore malade, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Donc, j'ai décidé qu'on allait... En fait, le gagnant, il s'est pas connecté sur OpsiFight dans la dernière vidéo, vous savez. J'avais dit qu'il y en avait un qui avait gagné. Ben, en fait, je l'ai pas vu sur le serveur. Et ça fait quand même quelques jours depuis que la vidéo a été tournée. Je l'ai pas vu une fois. Donc, je vais gagner, donner son casque à une personne aléatoire en ce moment sur le serveur. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va faire. Il y a quand même 200 personnes en ce moment, je crois. Ouais, 207. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire slash TPA. Et on va spam le tab. Et là, je vais compter jusqu'à 10. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom, British Airlines. Donc, à British Airlines, et il va nous TP, je l'espère bien. Oh, shit. Donc, il m'a TP ici. Donc, bravo à toi. Tiens, pour le cas en Obsidium, jeune homme. T'es vraiment un gagnant. Allez, à plus, mec. Voici ton cadeau. À plus, mec. C'était un plaisir. Bisous. Bon, les gars, j'ai désactivé mon déguisement. Je me suis mis en stuff PVP. J'ai pris une potion d'invisibilité et on va essayer d'aller PVP. Donc, c'est parti, mes très chers copains. Espérons qu'on trouve quelqu'un à PVP. Allez, à tout de suite. Attends, ça va. Est-ce que lui va venir? Est-ce que lui va venir? Victime Bolos. Allez, t'as peur, hein? What's up, Jean Internet? On se reprend. Donc, on est en compagnie de Kaizen. En fait, Kaizen, il veut faire un 1v1, je crois. Il m'a dit qu'il voulait PVP, donc on va PVP contre lui. C'est pas grave si on part, les amis. Le but, c'est de s'amuser, comme je l'ai dit. Donc, on va parler de plusieurs choses, en fait, dans cette vidéo-là. C'est juste une vidéo blabla, en fond. Je veux surtout vous parler, dans le fond, d'une chose que je déteste le plus sur OpsiFight en ce moment. Et c'est, dans le fond, tout ce qui n'est pas rapport avec OpsiFight. Tout ce qui va pas bien avec OpsiFight. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Parce qu'il y a vraiment plein de choses qui vont pas bien, les amis, avec OpsiFight. Et je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord pour régler ces soucis. Et je pense qu'en tant que communauté, on a beaucoup de choses à dire. Je pense que si on se met tout ensemble et qu'on essaie de vraiment y mettre les problèmes, je crois qu'on peut les résoudre. Donc, le premier gros problème qu'il y a sur le launcher, c'est les knockbacks. De un, les knockbacks, ils sont vraiment dégueulasses, les amis. Le PVP n'est pas fluide. C'est vraiment genre le premier qui met un coup qui a l'avantage et tout. C'est pire que sur Hoverfight avec le relog. C'est vraiment pire que sur Hoverfight. Fight, les knockbacks, ils sont vraiment dégueulasses. Est-ce que ça vient des problèmes du fait du sprint comme ça? Je ne sais pas, mais j'ai parlé avec beaucoup de joueurs de la communauté et beaucoup m'ont dit que le gros problème sur Skill PVP, c'était les knockbacks. Donc, en gros, les admins, il faut qu'ils règlent les knockbacks. Ça, si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des choses aussi que vous pensez qu'il faut changer, le dites-moi maintenant. Le deuxième truc que les gens m'ont surtout beaucoup parlé, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de grands YouTubers sur le serveur. Et ils ont raison. En fait, sur le serveur, il y a moi, iSweet, je crois pour l'instant... Flaws, ok, là, je crois pas, mais... Enfin, bon, il n'y a pas autant de YouTubers qui en avaient à la version 5, qui était la meilleure version du serveur, si vous n'êtes pas au courant. La version 5 d'OpsiFight était vraiment une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure version d'OpsiFight. En gros, qu'est-ce qui est arrivé? La version 6, c'était vraiment un dégueulasse, quoi. Ils ont essayé de trop en faire pour finalement... recule, je freeze. Ok, je recule en continuant de taper. Et en gros, ils ont essayé de revenir en V7 avec plein de nouveautés, plein de trucs qui allaient un peu changer les trucs. Mais au final, je pense qu'ils ont vu trop grand encore une fois parce que le classement faction n'est pas encore mis à jour. Il n'est pas encore mis en place et la première saison a débuté selon ce qu'on m'a dit. La première saison est débutée et en fait, il n'y a toujours pas d'update ou quoi. Comme on peut voir dans le chat, des fois, ça dit que la meilleure faction du serveur en ce moment, c'est la PPP. Je crois un truc comme ça, mais en fait, cette faction-là n'est pas été connectée depuis le jour de l'ouverture. Donc, on peut clairement voir qu'il y a un problème avec ce plugin. Je trouve qu'ils prennent énormément de temps à régler les problèmes aussi. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, le serveur aussi est souvent off. Donc, j'imagine qu'il doit avoir plein de problèmes. Donc, ils tiennent le serveur off parfois. Je trouve que ça, c'est un très gros désavantage quand vous êtes un serveur d'aussi grande... Aussi grand potentiel que OpsiFight d'avoir un serveur quasiment tout le temps fermé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux heures québécoises, le serveur est souvent fermé tard le soir, etc. Pour aucune raison, et il sera allumé au redémarrage automatique. Aucune idée pourquoi, les amis, je suis pas un bon fondateur de serveur ou quoi. Moi, je fais juste donner mon avis en tant que joueur.
Aussi, un truc qui est aussi très désagréable, c'est que c'est très facile de se faire du stuff. Malgré le système de corps neutre, etc., et qu'il faut crafter des corps, etc., ça reste quand même vachement simple d'obtenir du stuff sur Upfight, malgré trop simple. Même pour un joueur qui a pas de grade ou quoi, c'est super super simple d'obtenir du stuff, et ça c'est quand même difficile. C'est quand même normalement difficile. Comme le stuff en obsidium, les amis, j'en ai plein moi, et c'est quand même vraiment facile d'obtenir du Xenotium, c'est pas comme aux anciennes versions. Aux anciennes versions, le Xenotium était vraiment un des minerais les plus rares, il y en avait seulement un par chunk environ. Cette version-ci, il y a du Xenotium, tout le monde en a. Ils n'ont pas modifié le Xenotium. Donc, en gros, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Xenotium reste vraiment beaucoup trop cheap. L'armure, je parle. Donc, ils ont modifié le nombre de drops, j'imagine, mais ils n'ont pas modifié la résistance et l'armure en général. L'armure est extrêmement difficile à obtenir, extrêmement facile à obtenir, mais extrêmement difficile à broke ou encore super difficile à PvP contre parce que, vous savez, l'armure en obsidienne, mes amis, ça a une durabilité incroyable. Donc, c'est pour ça. En plus, si vous avez des orbes de réparation, etc., vous allez être directement mis... dans la merde, quoi. Donc, il dit que j'ai... Non, mais normal, gros. J'allais quand même pas venir équiper, quand même. Je m'en fous, moi, si je meurs ou pas. De toute façon, c'est juste un jeu. Tu peux même back si tu veux. L'important, c'est juste de d'avoir du contenu pendant que je parle, quoi. Malgré, ce serait dommage parce que ce serait cool d'avoir un PVP, quand même. On va prendre un petit cookie. Aussi, un autre truc qui est vraiment... vraiment dérangeant, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, donc j'ai parlé des knockbacks, j'ai parlé des plugins de faction, etc., qui étaient pas bons, qui étaient pas encore mis en place après autant de temps. Je trouve que les développeurs prennent vraiment beaucoup trop de temps à développer un truc et corriger un bug surtout. Aussi, l'autre truc que j'ai parlé, les redémarrages, les crashs, le serveur redémarre juste au crash, au redémarrage, excusez-moi, whatever, je suis perdu. Ensuite, l'autre gros problème aussi, ben, comme je l'ai dit, c'est il n'y a pas beaucoup de YouTubers parce que la plupart des YouTubers ont quitté. Comme à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Brisfab, il y avait Kido qui a arrêté de faire des vidéos factions, Isaac, il y avait plein de gens en fait avant. Maintenant, il y en a de moins en moins, donc c'est sûr qu'il y a de moins en moins de YouTubers qui sont de joueurs aussi. Et en plus, il y a plein d'autres serveurs, hein. Je veux dire, on va pas se cacher, il y a les autres serveurs qui tournent super bien. Donc, il y a de la compétition quand même dans les serveurs PvP factions sous launcher. Donc, c'est quand même pas facile d'avoir un serveur launcher qui fonctionne avec 200 connectés. Donc, un gros, tu sais, ils ont quand même 200 connectés constants. Upsifight, c'est quand même super bien pour comparer qu'il y a quand même deux gros launchers en ce moment. Skill PvP et puis Everfight qui tournent aux alentours de 700 connectés et Skill PvP 500. Donc, c'est quand même vachement bien quand même d'avoir 200 connectés pour un serveur où ce que. Excusez-moi, je suis malade comme un chien, vous avez sûrement dû l'entendre à ma voix. Pour un serveur qui est quand même fait partie de deux gros serveurs, en compétition avec deux gros serveurs. Donc moi je trouve ça super et j'approuve leur truc. Enfin, je trouve ça super cool qu'ils continuent quand même à exécuter, à essayer de faire d'aller de l'avant, etc. De trouver des nouveautés, etc. Pour le serveur, je trouve ça vraiment cool. Je vais juste prendre Fire Res parce que là je commence à être tanné du truc. Ah, j'ai pris une potion de heal quand j'en avais même pas besoin. C'est que je suis con. Donc let's go, on va voir, il va peut-être broke bientôt parce que lui je pense pas qu'il y a de potion de réparation ou quoi. Hop là, j'ai arrêté de taper pour me gratter le nez, mais c'était pas une bonne idée parce que finalement il a pas continué à avancer. Ok, let's go. On est capable les gars, je pense qu'on devrait être bon pour si je le tue, je vais lui drop son stuff. C'est sûr à 100%. Savez-vous que si vous poussez quelqu'un dans une échelle comme ça va le faire aller plus vite? Faites pas ça, les gars, ok? Faites vraiment pas ça, ok? No fake, ça va le pousser en plus vite. Ah, là, il va réussir à s'enfuir. Oh là 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 là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. C'est des choses qui arrivent, à moins qu'il tombe. Non, il va réussir à s'enfuir, d'après moi. Hop là. Ouais, il est en train de s'enfuir. Ploc, fait chier ça. En plus, j'ai même plus de speed, je crois. Oh non, t'enfuis pas, please, t'enfuis pas, man. T'enfuis pas, s'il te plaît, gros, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, slash near. T'es où? Ah, oh, rip. Il est parti. Mais bon, en gros, ouais, voilà, ça, c'est les plus gros problèmes de Psyfight. Vous, qu'est-ce que vous croyez que c'est les problèmes sur Psyfight? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être modifié, changé pour que le serveur soit encore mieux qu'il l'est en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, comme j'ai dit, tout le monde dit rien et que tous les YouTubers disent rien et que personne dit rien, ben, il va pas avoir de changement. J'ai déjà vu mon ami Ice Sweet faire
une vidéo à propos des trucs qui allaient pas sur Opsifact et pourquoi ils quittaient. Et je trouve que c'est une bonne idée qu'ils fassent ça parce que ça va peut-être enfin réveiller les administrateurs. Si j'ai tout lancé le stuff pour le récupérer, ça va peut-être réveiller les administrateurs et se dire que ouais, regarde, il y a un problème. Il faut régler ce problème-là au plus rapidement. Et puis pour pas perdre ton serveur et pas perdre la communauté qui est quand même assez bien sur ce serveur-ci. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Je vous aime. C'était Iconz. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Iconz. Et jusqu'à demain, portez-vous bien. Ciao!